Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait beaucoup trop longtemps. Je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé face cam, c'était en juin pour le dernier épisode de Un jour, un arrondissement. Déjà, je tiens à vous remercier pour l'accueil quand même que vous avez fait pendant 6 mois à cette série de vidéos parce que elle a quand même très bien marché, je trouve. Elle continue à très bien marcher. Je vois qu'il y a plein d'épisodes qui continuent à être de plus en plus vus et ça me fait trop plaisir en tout cas. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc je suis super contente d'avoir pu vous faire découvrir Paris de cette manière. Et vous inquiétez pas que cette année, on va encore découvrir Paris. J'ai plein d'idées de vidéos. Et j'espère surtout que vous avez aimé les 3 petites vidéos que je vous ai mises cet été. Si vous ne les avez pas vues, je vous fais un petit récap. Il y a eu le premier vlog de Londres, qui était donc mes premières vacances de cet été. Après, il y a eu Majorque, pareil, j'ai fait un vlog. Et après, il y a eu le sud de la France. Vous savez, chaque année, je vais dans le sud pendant plusieurs semaines. Donc pareil, je vous ai tout filmé. C'était des vlogs un peu différents parce qu'ils étaient souvent en voix off. Mais je tenais quand même à vous partager ces petits moments. Et puis même, moi, ça me fait toujours plaisir aussi de garder des souvenirs de ce moment-là d'été. Mais en tout cas, je reviens en cette rentrée plus motivée que jamais. J'ai plein d'idées, plein de choses qui arrivent. Je savais pas trop comment revenir et avec quoi revenir parce que j'ai eu une idée d'un nouveau concept, un peu de vidéo, un peu dans la même lignée que ce que je vous ai fait pendant 6 mois avec Un jour, un arrondissement. Mais je me voyais pas revenir tout de suite avec ça parce que je savais pas si c'était le bon moment. Donc je me suis dit, on va reprendre avec un vlog assez simple, mais un vlog à Paris. En plus, il y a plein de choses à faire ce week-end. Je vais vous dire quel est le programme, mais je pense qu'on va pas s'ennuyer, clairement. Donc écoutez, on est déjà mi-septembre, même presque fin septembre. Je sais que là, je voulais au début sortir une vidéo dès la première semaine de septembre, mais le rush de la rentrée, vous connaissez. Il y a eu beaucoup de changements, mais écoutez, c'est parti, aujourd'hui j'avais envie. En plus, vous allez le voir dans cette vidéo, mais j'ai du tout nouveau matériel. Vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous voyez la différence. Mais déjà, j'ai un nouveau téléphone, donc du coup, une nouvelle caméra. Normalement, la qualité est bien, bien supérieure à ce que vous aviez avant. Et surtout, j'ai eu la chance de recevoir de la part de mes amis un super stabilisateur que je vais tester pour la première fois aujourd'hui en vloguant. Donc j'espère que ça va tout changer parce que c'est vrai que c'était assez saccadé les images, étant donné que je filmais avec le téléphone et à bout de bras. Mais là, normalement, j'ai un super stabilisateur. Donc j'espère que vous allez voir la différence. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et surtout, si vous êtes nouveau ou même si vous regardez déjà mes vidéos, abonnez-vous. Parce que ça me ferait super plaisir en fait de voir quand même cette communauté grandir. Surtout que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de concepts de vidéos, je pense qu'ils vont arriver dans les prochains mois. Donc je serais ravie que vous soyez là pour les regarder. Donc voilà, et n'hésitez pas déjà à liker cette vidéo si vous êtes content que je revienne et à commenter. Mais écoutez, je vais vous expliquer le petit programme d'aujourd'hui. Ça va être bien sympa. Déjà, je viens de penser, mais dans mes petits live updates que je ne vous ai pas fait. Mais je sais pas si vous voyez le changement de décor, mais j'ai déménagé. Bon, de toute façon, dans mes vidéos, on ne voyait pas beaucoup mon appart, mais je pense que vous l'avez quand même un peu aperçu dans mes anciennes vidéos, mais ça n'a rien à voir. Donc déjà, voilà, j'ai un nouvel appart qui est super lumineux, super beau, super bien décoré, donc ça, je suis hyper contente. Et aussi, j'ai terminé mes études. Peut-être que dans quelques mois, je vous ferai une vidéo sur ça parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de monde. Et du coup, qui dit fin des études, dit nouveau travail. J'ai commencé un nouveau taf, un vrai, enfin le premier vrai job. Ça paraît, peut-être que je vous ferai une vidéo un peu sur tout ça, sur mon parcours. Je sais pas si c'est intéressant parce que j'ai fait des études en communication, donc je pense que beaucoup de personnes font sûrement des études là-dedans et ça peut-être vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, je pense, sur mon parcours qui est assez varié. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de changements pour cette rentrée. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps du tout de filmer de vidéos avant parce que
c'était pas vraiment ma priorité, il y a eu plein de choses. Mais bon, tout ça, on s'en fout. Le programme d'aujourd'hui, je vais vous le dire. Première chose, on va aller prendre un café ce matin. On va aller à kiosque, évidemment. Enfin, café Ange. Je sais plus si je vous l'ai montré dans mes vidéos, mais c'est juste mon café préféré. Il faut que du café importé, c'est dans le 9e, à Saint-Lazare. Je vais vous montrer ça, mais j'aime trop cet endroit. Ensuite, je sais que ce week-end, enfin cette semaine, il y a les outlets Sandro. Tout le site quasiment est à moins 70%, donc autant vous dire que ça vaut grave le coup. Donc faudrait que j'aille voir, donc je vais peut-être aller au printemps ou aux Galeries Lafayette pour voir ça. Et ensuite, je sais pas si vous connaissez Laura Todd, en fait c'est des cookies. Et bien figurez-vous qu'ils ouvrent une boutique, une nouvelle boutique dans le 17e et que pour l'occasion, ils font une distribution de cookies gratuits. Moi, j'adore les cookies, je pense que vous le savez. Donc, je vais absolument y aller. Je vais tester. En plus, sachez que je n'ai jamais testé Laura Todd, alors qu'apparemment, c'est parmi les top 3 des meilleurs cookies de Paris. Donc, il faut que je remédie à ça absolument. Ensuite, ce week-end, il y a aussi le pop-up store Herborian. Il y a un pop-up à Paris pendant 3-4 jours. Et j'ai vu évidemment plein d'influenceuses y aller. Ça m'a donné trop envie. Donc, je pense que je vais essayer d'y passer. En plus, c'est un peu au même endroit de tous les trucs que j'ai prévus. Donc j'aimerais bien aller là-bas. Il y a aussi une nouvelle expo dans mon musée Fav Ever. Si vous savez, je vous ai déjà emmené plein de fois au musée des arts décoratifs à côté du Louvre. Le meilleur musée que vous pouvez faire à Paris. Ils ont des expos trop bien. Et là, cette semaine, ils ont renouvelé l'expo. Et là, celle de la rentrée, c'est sur la mode et le sport. Sachant que leurs expos mode, c'est vraiment les meilleurs que j'ai jamais vus. Donc j'ai trop hâte d'aller voir ça. J'espère que ce petit programme vous plaît. Dites-moi, vous, quelles sont les choses que vous avez qu'à faire un peu en ce moment à Paris, les nouveautés. Parce que c'est vrai que l'été, bah, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Surtout au mois d'août, tout est fermé. Mais là, ça y est, c'est la fiesta, il y a tout qui a réouvert. Donc si vous avez des pop-up stores, des musées, des nouvelles expos, des nouveaux restos, je ne sais pas, dites-moi absolument tout. Là, j'ai envie de retester plein de nouvelles choses. Donc dites-moi en commentaire tout ce qu'il y a à faire là en septembre, octobre à Paris. J'ai trop hâte. Les amis, ce matin, je suis à Saint-Lazare et on va aller boire un petit café à Jouvet Noir, évidemment, kiosque que je vous ai déjà montré. C'est trop bon. Maintenant, deuxième étape de cette matinée, on va au printemps parce que ce week-end, c'est les outlets, notamment Sandro, où je veux absolument aller voir parce que j'ai vu sur le site que tout était à moins 70%. J'ai vu des trucs trop beaux, mais bon, je préfère essayer quand même. Donc, direction le printemps et peut-être les Galeries Lafayette si jamais on ne trouve pas. Mais écoutez, on va aller voir ça. Thank you.
Bruxelles, ils n'avaient pas du tout les outlets en boutique, donc je suis grave day. Là, on était au printemps, mais je pense que je vais aller voir parce qu'il y a un outlet Sandro en plein dans le Marais. Donc je vais aller voir ça cet après-midi. Et sinon, bah, je verrai si je commande directement sur le site. Et là, on est au printemps et regardez, ils ont réouvert l'escalier Art Déco. C'est trop beau, qui traverse tout le printemps. C'est magnifique. Les amis, il est midi, on va aller chercher des cookies gratuits parce qu'on est des gros rats. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle boutique, Laura Todd, qui a ouvert. Donc on va aller tester parce qu'apparemment, ils donnent des cookies pour l'ouverture. You know that some things were just always meant to be. Don't ask the other girls, don't ask the other guys. Sometimes I wonder if you're ever gonna see. I'm not like the other girls, you're not like the other guys. I tell you I want you, but you don't listen to me. I guess all I can do is whisper in your ear. Ooh, your kisses taste so sweet. Can't resist it, stay with me. Bon les amis, on a récupéré nos petits cookies. On a fait la queue pendant quoi? Bon, 10-15 minutes. Mais derrière nous, il y avait grave la queue parce qu'en fait, la vente visiblement de cookies gratuits, ça ouvrait à midi. Et je sais pas à quelle heure ça se termine. Bon, évidemment, au final, on a craqué. On n'a pas pris que les cookies gratuits parce qu'il n'y avait qu'un seul type de cookies qui était gratuit. Donc, on a voulu tester les meilleurs. Donc, au final, on s'en est sorti pour 11 euros. Mais écoutez, on va vous faire un petit crash test en rentrant de nos 5 cookies. Les amis, après avoir bien mangé mes sushis, je suis ressortie. Regardez, je suis au Palais Royal. Et surtout, bah, comme je vous ai dit ce matin, là, on va aller au musée des arts décoratifs. On va aller au musée des arts décoratifs pour voir la nouvelle expo sur la mode et le sport. J'ai pris mon petit billet. Écoutez, j'ai très hâte d'aller voir. J'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Les amis, je viens de sortir du musée, enfin de l'expo du coup, mode et sport. Franchement, c'était trop bien. Tellement pas déçue comme à chaque fois. Je vous recommande fortement d'y aller, c'était trop intéressant. Et comme à chaque fois, il y a des très très belles pièces qui sont exposées de grands créateurs. Donc j'ai appris beaucoup de trucs. Je suis très contente d'y être allée. Maintenant, je vais marcher un peu direction le Marais. Et on va aller faire un petit peu les boutiques et ensuite je pense qu'on ira au pop-up store en fin de journée. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a...
Maintenant, on s'est posé un bébé pour le goûter et évidemment que je vais vous faire la dégustation des cookies qu'on a acheté ce matin parce que je les ai toujours pas goûté. Parce que les sushis, ça m'a trop calé, donc je me suis dit je vais garder ça pour le goûter. Oh là là, ça va être sympa. Oh. Bon alors, premier cookie, le gratuit. Tu l'as déjà goûté celle-là ou pas? Non. C'est quand même très bon. Ouais, bon. Ouais, ça va. C'est validé. Ouais. Deuxième. Il est hyper... On dirait un brownie, genre. Bah ouais, un peu déçu du coup. Enfin, du coup, ça fait brownie, quoi. Ça a le goût d'un brownie et c'est texture de brownie. Si t'aimes bien le brownie, c'est bon. En vrai, c'est bon. Ah si, on sent bien la cacahuète quand même. C'est bon, mais c'est pas un cookie, quoi. Bon, alors du coup... Ça, on adore, en vrai. Surprenant dans le bon sens. Et ça, ça fait plutôt brownie. J'adore les brownies, mais c'est pas vraiment... Très bien résumé. Merci. Voilà. On va... au petit pop-up store Herborian pour voir si c'est sympa. Ça très vite. J'adore. Est-ce qu'on n'a pas trop la place? Non mais on est ridicule là. En plus. Retour sur l'expérience. Bah écoute, on a fait toutes les activités, hein. Bon, c'était marrant. Voilà, on a eu nos petites photos. Les gars, je vous retrouve, il est tellement plus tard, il est 20h passé, déjà de 1, je n'ai pas vu le temps passer, et de 2, j'ai passé la journée entière dehors, je n'en peux plus, j'ai pas arrêté, mais je suis trop contente, écoutez, on a fait quasiment toutes les activités qu'on voulait faire aujourd'hui, on est allé chercher nos petits cookies, notre petit café ce matin, on est allé se balader dans le marais. Je suis allée à Sandro. Je ne sais même plus si je vous ai expliqué parce que je ne vous ai pas filmé dans le magasin. Mais du coup, je suis allée au Sandro Outlet. J'ai trouvé la veste que je voulais. Enfin, le manteau que je voulais absolument. Au final, j'ai hésité pendant une heure dans le magasin. Je regrette, j'aurais dû le prendre. Je ne l'ai pas pris. Je vais voir ce soir du coup si, s'il est encore dispo sur le site. Mais du coup, j'ai perdu une heure avec tout ça. Petit bubble tea. Ensuite, j'ai fait un peu de shopping. Je suis allée faire des courses car ce soir j'ai des copines qui viennent faire un petit apéro à la maison, mais surtout ce que je vous ai caché, mais j'ai enfin craqué pour un Sony Angel. Alors j'espère que je ne suis pas la seule à être totalement fan de cette nouvelle tendance. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui trouvent ça ridicule, c'est juste des petits bébés qu'on accroche sur le téléphone. Sachez qu'à Paris, c'est en rupture de stock partout. J'ai réussi à en trouver. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc j'ai honte de dire le prix. Et surtout, c'est vraiment la honte d'acheter ça à 24 ans et de mettre ça sur son téléphone. Mais c'est pas grave. Et surtout, c'est surprise en fait. Donc en fait, vous choisissez. Là, moi, j'ai pris les animaux. Et vous voyez, je ne sais pas lequel je vais avoir. Donc évidemment, on va ouvrir ensemble. Sachant que j'ai déjà commencé un peu à contaminer quelques-unes de mes copines. Donc écoutez, je ne suis pas la seule dans mon délire. On va l'ouvrir ensemble. Sachant que on peut avoir 12 animaux différents. Moi, je voudrais vraiment... le petit lapin, il est trop chou. Le petit bélier, enfin le petit mouton. Ou alors le petit panda. Je vous avouerai que c'est un peu mes préférés. Sinon, en vrai, peu importe. Mais mon Dieu, on va l'ouvrir ensemble.
Mais par contre, petit dilemme, je ne sais pas si... Oh bah voilà, je me suis cassé l'ongle, c'est super. Je ne sais pas si je l'accroche sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Je sais que les deux se font. Je me dis, sur le téléphone, ça peut vite être super chiant. Ou alors, je le mets que sur une coque et je verrai. Je vais regarder la petite liste. Oh non, je crois qu'il m'a spoil lequel j'ai. Ah non, attendez, j'espère pas. Hein, parce que j'ai vu à l'intérieur. J'ai capté. Ah, mon Dieu, je suis trop contente. Ah non, j'ai eu le petit cochon. Ah, celui-là, je vous avais pas dit que je le voulais, mais alors je le voulais vraiment aussi. Oh, je suis fan. Non, mais regardez. Non, mais c'est ridicule. Je sais, c'est ridicule. Mais... Oh là là, mais regardez-moi ça, ça va être trop mignon. Je suis refaite. Bon, écoutez, sur ce, je vais aller accrocher sur mon téléphone ou mon ordi et je vais préparer le petit apéro pour mes copines qui arrivent dans littéralement genre 15 minutes. Et voilà, en tout cas, et je crois que ce vlog est vraiment super long, mais dites-moi si vous avez aimé. Enfin, c'est pas encore fini, mais... Parce que moi j'ai juste trop kiffé de pouvoir vous prendre toute la journée et je suis très satisfaite, je crois, de mon nouveau matériel. Dites-moi vraiment si vous voyez la différence, mais moi j'ai kiffé. Genre, je suis beaucoup plus à l'aise pour filmer et je peux faire des trucs beaucoup mieux, donc je suis trop contente.